Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est le journal créatif de la semaine, votre vidéo préférée. Oui, c'est pourquoi. Tu veux venir dire bonjour? Elle dormait, hein? Elle faisait dodo, mais elle a entendu le mot magique. Vidéo, elle comprend ce mot. Alors, c'est donc votre vidéo du journal créatif de la semaine. Nous sommes au numéro 61. J'ai l'impression que mon téléphone, il est pas droit. Bon. Ou alors c'est moi qui ai de traviole. Le bisou, hein, d'abord. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce que j'aime ma maman. Voilà. oui, nous sommes au numéro 61. Comme d'habitude, je vais d'abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui se sont abonnés cette semaine sur la chaîne. Et nous sommes arrivés à 8000, alors on était à 8200 cette semaine, là on est encore un petit peu plus, donc c'est super, je vous remercie tous d'être là, et j'espère que ce que vous voyez sur ma chaîne vous plaît. Bon, voilà, c'est la tête qu'on veut voir. Alors, le journal créatif, je répète toujours, mais c'est pour les nouveaux et nouvelles, c'est un genre de floustube, hein, c'est comme un floustube, mais je vous montre tout ce que j'ai pu faire dans la semaine, au niveau broderie, tricot, crochet, de temps en temps, il y a du coloriage, de temps en temps, mais là, il n'y en a pas en ce moment, mais il y a du diamond painting également. Donc voilà. Alors, alors je ne sais pas si la vidéo va être très très longue cette semaine. On verra. Des fois je dis ça et puis je papote tellement que on arrive à 2 heures. Parce que il y a eu un peu moins de broderie cette semaine de fête. Je vais vous montrer pourquoi ensuite. Oui, donc il y a eu quand même un peu moins de broderie, de broder. Mais bon, j'en ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10 ou 11, je crois, pour cette semaine. Voilà, d'habitude, il y en a un petit peu plus. Ça y est, t'es installé ? Bon, elle est installée, donc ça va, on peut y aller. Alors, vous savez que pour moi savoir ce que je vais broder dans la semaine, je tourne la roue sur ma tablette et c'est la roue qui me dit quoi faire. Alors, la semaine dernière, j'en avais tiré quand même beaucoup. Il y avait le tigre, la confiture, ma maison météo, les ours de Noël, les pans royaux, le Languedoc Sampler, Caroline Manning, mon Fox, Steampunk, le Sal du Nouvel An, le Hibou, ma Lily Point, Alice, le Sampler 124, et j'avais prévu, mais c'était pas obligatoire, il y a 3 nouveautés qui viennent s'intégrer dans mes broderies. Le Star Dragon de All Forest, le cœur aquarelle, je crois que c'est Mia Stich, si je ne me trompe pas, et un nouvel HAED, l'hibou du savoir.
Alors, je vous parle d'abord de celui-là, L'hibou du savoir. C'est un trio que je vais faire avec Ludovic et avec Amélie de la chaîne Dazing et Diamant. Mais Ludovic m'a proposé qu'on recule d'un mois pour que je puisse avancer un maximum sur mes broderies. Donc, c'est ce qu'on a fait. On commencera donc le hibou du savoir, on commencera le 1er novembre. Donc, merci Ludovic. Et il y avait donc deux autres nouveautés, le Star Dragon de All Forest et donc le cœur aquarelle de Mia Stich qui est sur Etsy. Donc, je n'ai pas tout fait. J'avais vu grand là quand même. Je n'ai pas tout fait, mais il y a des terminés. Il y a deux broderies de terminés, donc au moins il y en a déjà deux en moins. J'ai terminé. Alors, celui-là n'est pas encore encadré, mais il devrait être encadré dans la semaine. J'ai terminé les ours de Noël. Voilà. Donc ça, c'est un modèle de chez All Forest. C'est un modèle gratuit. Bon, c'était un sale que j'avais organisé sur mon groupe. Voilà. On l'avait commencé au mois d'avril. Pardon. Et il se terminait donc ici le 30 septembre. Donc, je m'étais fait mon petit challenge. Vous savez que j'étais en retard sur cette broderie. Enfin, pas beaucoup, mais j'avais un peu de retard. Et allez. Et donc, je m'étais mis le challenge de terminer pour la date, pour le 30 septembre. Eh bien, je l'ai terminé le 30 septembre. Non, ça c'est mon verre. Donc, je n'ai plus qu'à l'encadrer. J'ai été chercher mon cadre, donc, chez Action. Donc, ça, l'encadrement, je le ferai cette semaine. Si vous êtes sage, je vous ferai en vidéo. Voilà. Donc, il est terminé. Il a été super agréable à faire, pas compliqué. Hein. Bon, de temps en temps, j'ai un petit peu démonté, mais pas beaucoup. Ça a été. Alors, il y a un nounours où il y a des perles. C'est celui-ci. C'est le seul auquel il fallait mettre des perles. Pourquoi, je ne sais pas, mais bon. Mais donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Il est trop choupinou. Je l'aime beaucoup. Donc. Ça fait une demi-heure que j'attends que mon imprimante m'imprime un papier que j'ai besoin pour la vidéo. J'ai oublié de l'imprimer avant. Je ne sais pas. Des fois, mon imprimante est un peu... Elle fait quand elle veut. Mais là, ben non, elle ne veut pas. C'est pas grave. Mon deuxième challenge, c'était de terminer une autre broderie. Et elle est terminée et aussi est encadrée. Voilà. Donc, vous avez déjà pu voir les photos, hein, je pense. Donc, c'est mon Caroline Manning, le Garden Gif. Voilà, il est fini, fini, fini. Il est trop beau, j'adore. Trop, trop beau. Alors, niveau d'encadrement, c'est un cadre 20 cm sur 20 de chez Action. Et j'ai fait le passe-partout moi-même. Avec trois papiers différents.
Donc un papier noir, un papier violet rose, ça a un nom, mais lit de vin. Oui, je crois que c'est, on dit lit de vin. Et un parme clair. Voilà. Donc ça rappelle un peu les couleurs qu'il y a donc dans le dans la broderie. Bon, il n'y a pas de noir, mais le noir fait bien ressortir. Moi, j'aime beaucoup les passe-partout noirs. Donc voilà. Terminé. Je suis contente. Donc là j'ai pas encore trouvé sa place parce que j'attendais que la vidéo soit faite et après je vais lui trouver sa place. Et voilà. J'aime beaucoup. Il est vraiment très très joli. Donc voilà mes deux broderies terminées. Bon, toujours pas imprimé. Non, bon, c'est pas grave. Alors, donc je vous ai déjà montré les ours et le Caroline Manning. J'ai là par contre. J'ai toujours pas fini. Isa et Armel vont me maudire parce que là elles sont en train de faire le troisième déjà et moi je suis encore sur le premier. Mais c'est vrai que l'estampé, je suis vraiment plus à fond sur l'estampé. Enfin, si tout au moins j'ai été une fois au moins à fond. Mais c'est vraiment pas ma broderie préférée, loin de là. Mais bon, je la fais, mais ça avance tout doucement. Alors celle-là, je la filme le dimanche matin quand je monte ma vidéo. Et du coup, bah, ça n'avance pas beaucoup. Alors. Regardez pas, hein, moi derrière j'ai tiré les fils, voilà ce qui a été fait. Donc il reste quand même pas mal de, enfin pas mal, ouais, il reste quand même du taf dessus, mais bon. C'est mon canari. Donc voilà. Je ne vous ai pas dit. Pour les ours de Noël, pour le terminer, j'ai fait plus ou moins 700 croix. Et le Caroline Manning, pour le terminer, en comptant les points arrière, il y a environ 1000 points que j'ai fait pour le terminer. Voilà. Donc je l'avais fait sur 2 jours. Et ici la confiture. Hop, la confiture, j'ai fait plus ou moins 250 croix. Voilà. Bon. Je vais quand même essayer de le finir cette semaine. Parce que là, ça commence à devenir long. Bon, Fifi, allez. Elle ne bougera pas. Donc maintenant il va falloir que je me trouve une broderie à terminer. Ce serait bien si je pouvais en terminer une cette semaine, mais ça va être un peu plus difficile. Parce que bon, j'en ai deux petites que j'aimerais bien finir. Le Fox de Cottage Garden. Et l'orchidée de Lanart. Mais bon, c'est le Fox qui est quand même le plus avancé.
Donc, on verra si, si j'arrive à le finir cette semaine, mais suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. Parce que niveau du renard, il y a quand même pas mal de boulot, surtout dans la queue, la cuisse, ça va, j'ai toutes les petits dessins un peu en forme de croix, ils sont pour ainsi dire tous faits. Donc j'ai plus qu'à remplir. Mais la queue, il y a du taf quand même sur la queue du renard. Donc on verra bien. Bon, tu as décidé de rester là? Alors, je vais vous montrer le fox. Alors, désolée, hein, je suis un peu de tension aujourd'hui. pour vous dire, hier j'étais en train de tricoter dans mon fauteuil et d'un seul coup, en sursaut, je me suis réveillée. Je m'étais endormie dans mon fauteuil avec mon tricot dans les mains. Mais bon. Alors, le fox, vous voyez, c'est celui-là. Et vous voyez ce que je vous disais pour la queue, il y a quand même du boulot. Où le petit truc blanc là, c'est comme une feuille. Donc ça, il y a quand même du taf. Après le reste, quand j'aurai fini le renard, le reste va aller vite normalement. C'est des petits motifs, hein. Le plus gros, ça va être la cabane. Mais après, c'est des petits motifs, donc ça devrait aller assez vite. Mais bon, je suis pas sûre de pouvoir le finir quand même cette semaine. Voilà où j'en suis. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc là, j'ai fait toute cette partie-là. Donc vous voyez, tous les petits motifs en forme de croix. Là, ils sont faits, donc j'ai vraiment plus qu'à remplir. Là, il va y avoir du blanc ici, et là, j'ai commencé. Donc, ce marron qui est là, là, il va aller jusqu'en bas de la cuisse. Après, il me reste la papatte noire. Là, il y a une deuxième papatte. Et puis après, bah, la queue, voilà, ici. Ah, il y a un petit bout d'oreille qui n'est pas fini aussi. Voilà. Mais j'aime beaucoup, hein, il est chouette, hein. Il est vraiment beau. Comme je vous avais dit, quand celui-là sera fini, j'aimerais bien faire le... Alors, je ne sais plus si on dit le hibou ou la chouette. Je vais regarder le nom. Alors, Cottage Garden, si ça veut bien s'ouvrir, voilà. Alors, est-ce que c'est là? Je sais, parce qu'il y a plusieurs collections. Wood, voilà. Oui, c'est ça. La voici. Je vous l'ai déjà montré un autre jour, mais je le remontre pour ceux qui ne l'auraient pas vu. C'est quoi ça? Bon. Allez. Bah, les photos. Alors, là, ils disent la chouette effraie. C'est pourquoi j'ai pas les... Je suis tombée sur quoi là?
J'ai pas les photos. Ah si, ça y est, les voilà. Il fallait continuer de descendre. Voilà. Arrête de bouger. Voilà, celle-là. Et elle est trop trop belle. Donc c'est une chouette effraie. Elle est trop belle. De toute façon, dans cette série-là, il y a... Ah, sa page est fermée. Dans cette série-là, il y a quand même pas mal de jolies broderies. J'aime bien aussi le cerf. Vous voyez, ici. Le petit castor, là, j'aime bien. Il est joli. Non, celui-là, moins. Il y a un Woody Woodpecker. Là, regardez. Ici. Il y a l'aigle, mais l'aigle, je l'aime moins. J'aime bien aussi la belette. Mais, la belette. Ou un furet, c'est un furet ou une belette ça? The furet, ouais, donc c'est plutôt un furet. Et l'ours, c'est pas mal, il est rigolo aussi. Là, c'est ce que je suis en train de faire, c'est le renard. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein, hein. Enfin plein. Il y a le raton laveur, il y a le lapin. Enfin, c'est pas un lapin, c'est un lièvre. Voilà. Hop. Mais je trouve qu'il a des grandes oreilles. Et le raton laveur est là. Il est pas... Ils sont tous beaux, hein, à part un ou deux qui me plaisent un peu moins. Mais vous voyez, celui qui me plaît moins, c'est celui-là, c'est l'aigle. Pas je trouve les ailes trop droites, voilà. Mais bon, donc on verra un petit peu à la fois. Il y a aussi la chauve-souris, mais pareil, la chauve-souris, et puis c'est pas une bête que j'aime beaucoup, je l'aime moins. Voilà, celui-là, ça c'est la chauve-souris. Celui-là, non. Voilà, je vous les ai tous montrés. Ah, je vous ai dit un cerf, mais non, c'est un renne. Le renne, le castor. Ouais. Mais bon, on verra. Hop, il y a un cheveu. Alors, le fox, j'ai fait plus ou moins 500 croix. Voilà. Quand je dis plus ou moins, c'est parce que ce n'est pas dans mes applications Pattern Keeper ou Saga, puisque maintenant j'ai Saga, Cross-Stitch Saga. Ce qui ne vont dans ni l'un ni l'autre. Donc je le fais sur papier. Voilà. Non, non. Chut, excusez-moi. Excusez-moi. J'espère que vous n'avez pas eu trop peur. Oui, il y a un mariage dans la ville. Et du coup, ils sont en train de claquer des pétards à 10h du soir. Mais bon. Fais tout. Allez, tu fais dodo. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, bon, je vais prendre en suivant mon Lily Point. Donc, le Lily Point, c'est un duo que je fais avec Céline. Hop. Voilà. Ah,
j'ai pas piqué mon aiguille, excusez-moi. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Donc là, j'ai bougé mon tambour hein, par rapport à la dernière fois. J'ai brodé ici et ici. Voilà, cette phrase-là. Donc, caressez le sous. Donc, vous aurez le reste de la phrase la fois prochaine. Et ou tout autre. Voilà. Donc, c'est ou tout autre petit endroit qu'il appréciera. Donc, j'aime toujours autant le faire. Vraiment très sympa. Et c'est beaucoup de texte, donc ça va vite. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, je fais celui-là. Céline fait celui-ci. On ne fait pas le même, mais on avait choisi de le faire sur le thème du chat et que ce soit un lily point. Je vous montre également où Céline en est sur sa broderie. Voilà. Bah écoutez, moi, il avance tout doucement, sûrement. Bah, nous, on fait que 4 cases par semaine. Parce que bah, Céline travaille. Hein, et puis, bah, 4 cases, ça me va bien. Ça lui va bien également. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, moi, il me reste le chat à finir. Alors, vous voyez, je suis ici. Caressez-le sous le cou, derrière les oreilles. Voilà, donc il faut que je termine cette phrase-là. Là, j'ai une autre phrase à faire. Prenez un joli chat, pas trop farouche. Et je terminerai donc par là, ma ronron, les petites patounes. Voilà, et il faut que je termine le chat qui est là. Et donc, il reste pas grand-chose. Hein. Je ne sais pas combien de temps on va encore mettre, mais là, on va dire hein, de... une fois, deux fois, trois. En 3 ou 4 fois, je pense qu'il sera terminé. Céline, je pense que ce sera comme ça aussi. Donc, on va dire que dans grand maximum, dans un mois, on devrait l'avoir fini. Je pense que ça devrait le faire. Voilà. Si on finit avant, tant mieux. Mais je pense que d'ici un mois, il pourra être terminé complètement. Alors, en parlant de Lily Point, j'ai trouvé des cadres chez Action. Ils ne sont pas carrés. J'en trouve pas de carrés, de toute façon. Ils sont rectangulaires, mais ça ira très bien. Donc, là, j'en ai pris 3. Puisque j'en ai pas assez. Hein. J'ai pris 3 parce que j'ai mes carottes, ma compote de pommes, ma compote de poire. Et il y aura la ronron thérapie. Donc ça en fait déjà 4 à encadrer. Là j'ai pris 3 cadres. Mais bon, je ne sais rien, j'ai recherché. Et ils étaient vraiment pas chers. Ils étaient à 2,90€, 2,99€, un truc comme ça. Par contre, c'est des cadres qui n'ont pas de passe-partout, donc ça, c'est pas grave. Moi, je le ferai moi-même. Et comme le cadre est rectangulaire et que les broderies sont carrées, je m'en arrangerai pour avec le passe-partout que je ferai moi-même. Alors, le lily point, il est là. Donc, j'ai fait plus ou moins 200 croix. Aujourd'hui, donc 4 cases. Voilà.
Ensuite, alors là par contre, je vous avais dit que je me faisais un challenge pour terminer l'étape du mois de septembre. Bah là, j'ai raté. Là, j'ai raté. Ah, pareil, j'ai pas piqué mon aiguille. Je sais plus quand est-ce que je l'ai fait ça, le Alice. Mardi ou mercredi. Oui, mardi ou mercredi. Mais j'ai pas beaucoup avancé. Alors, j'ai fini la chaussette. Voilà, la chaussette est terminée. Il me reste à mettre la chaussure, hein, ici. Là, j'ai fait ce petit bitonio, là. Celui-là aussi. Voilà. Donc là, je n'ai pas réussi à tenir mon challenge. Bon, c'est pas très grave, hein. J'ai tellement galéré la semaine dernière avec cette chaussette. Oh là là. Là, il me reste ouais, la chaussure. Et puis, il y a une frise avec des fleurs là. Et puis là, je ne sais plus ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est la souris et Alice dans l'eau. Voilà, ici. Et encore un cœur à faire et à terminer la frise qui est là. Et voyez, la chaussure. Ah ben le petit bitonio que j'ai fait là, que je disais, c'est le petit nœud de la chaussure. Voilà. Bon, j'ai pas réussi, hein. Je peux pas. Mais j'ai fini de toile. Donc, voilà. On essaiera de le finir cette semaine. Hop. Vous avez vu comment je traîne pour que la vidéo soit longue? Non, mais on verra bien. Voilà. Alors, le Alice. Je suis désolée, hein, mais je suis vraiment fatiguée. Je sais pas, enfin si, je sais pourquoi. Je mets pas ma machine en ce moment. Ma machine pour l'apnée du sommeil. Ça me gaffe tellement ce truc que faut que je le mette. Mais c'est chiant, pardon. Non, si, c'est chiant. Ensuite. Oui, c'est un duo que je fais avec Letty de la chaîne Les Loisirs de Letty. Donc, c'est Laetitia. On a commencé, ben on l'a commencé aujourd'hui. Hop. Le Star Dragon de All Forest, je vous remets l'image. Donc on a décidé. J'essaye de me cacher. On a décidé de faire 250 croix par semaine. Bon, là j'étais partie dans mon élan, j'en ai fait un petit peu plus. Mais c'est pas grave, le principal c'est de faire 1000 croix par mois. Donc voilà. C'est pas très grand, mais il y a quand même 269 croix ici. Voilà. Alors je le fais sur une toile de lin, j'ai oublié de marquer le nom, mais je vous l'ai présenté. Oh, c'est quoi ça? C'est une tache ou? Ah non, ça va, j'ai eu peur. Vous savez ce que c'est? C'est une miette de biscuit. je fais sur une toile de lin
Alors, je vous avais donné le nom la dernière fois. Je ne l'ai pas noté. Je vous le remets là en bas. Donc, c'est une toile de lin. Voilà, 16 fils. À la base, j'avais choisi une 18 fils, hein, mais je vous avais dit, lorsque je vous ai présenté que je vous ai fait le haul, Maison du Canevas et Univers Broderie, je me suis aperçue que le 18 fils, c'était impossible pour moi. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop petit. Donc, je me suis rabattue sur la 16 fils. Et ça va très bien. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Voilà. Avec un joli aimant de poussière d'étoile. Voilà. Mais très agréable à faire. Bon, je ne sais pas combien de temps on va mettre pour le faire. Hein. On verra bien. Il y a... Alors, je vais vous dire ça. Donc, celui-là, je le fais avec Krusty Chaga. Non, c'est peut-être là. Alors, j'ai pas encore trop la main sur le logiciel, mais bon, ça ne devrait pas... Oui, en tout, il y a 33 063. Ça ferait beaucoup de mois. Bon, on va dire 33 000. 33 000 par 1000. Oui, quand on pourra accélérer, on accélérera parce que ça ferait quand même 33 mois pour faire la broderie. C'est un peu beaucoup. Donc, Letty, quand on peut accélérer, on accélère de temps en temps pour ne pas... Voilà. Donc, moi, il est dans... Je vais y arriver. Donc il est dans mon Krusty Chaga, voilà. Donc il est ici. Hop. Et donc là j'ai déjà fait une bonne partie. Alors ce qui est bien sur Krusty Chaga, je vais vous montrer. Pour compter les points, c'est beaucoup plus facile. Parce que vous voyez, il y a des petits chiffres là. Et ça me dit le nombre de croix qu'il y a à faire. Alors, quand il y a pas de croix entre deux, ça ne me le donne pas. Ça me donne à partir de 5 croix en dessous. C'est pas la peine en dessous de toute façon. Mais là, comme vous avez vu, la grande ligne, il y a 14 croix. Donc, c'est marqué 14. Voilà. Vous voyez. Alors, ça, c'est top. Parce que j'ai pas besoin de compter sur le papier, enfin sur le patron, et voilà, je gagne du temps quand même. Donc j'aime bien. Bon, j'ai pas encore la main à 100% dessus, mais voilà, un petit peu à la fois, je vais m'y habituer, et bon, il n'est pas si compliqué que ça. Donc là, voilà, ici vous voyez, chaque jour que je vais broder dessus, j'aurai le détail du nombre de croix qui sera inscrit. Voilà, et là j'ai le décompte de mes croix, donc c'est pas mal, j'aime bien. Donc là pour l'instant, je suis à 0,81%. Mais bon, je l'ai commencé aujourd'hui, hein, donc on va pas pousser, hein. Mais voilà.
Donc, un petit peu à la fois, je vais m'habituer avec tous les petits symboles là qui me permettent de faire des choses. Mais bon, je vous renvoie à la vidéo de Sonia de la chaîne Diamant Rose. Elle a fait une vidéo il y a une semaine, 10 jours, pour expliquer comment ce logiciel fonctionne. Et là, ce qui est bien, alors je vais vous montrer, je vous l'ai déjà montré, hein, je pense, celle que je vais faire après, enfin, je sais pas, je la commencerai bientôt aussi, mais c'est le cœur aquarelle qui a énormément de points arrière. Et là, du coup, on a les points arrière, vous voyez? Tous les points arrière sont dessinés. Pas comme sur Pattern Keeper. Pattern Keeper, vous n'avez pas les... Vous n'avez que des croix. Vous n'avez que les croix. Les petits points, les points arrière, tout ça, les points spéciaux. Si vous brodez des perles, vous avez des perles à broder, tout ça, Pattern Keeper ne le donne pas. Par contre, Cross Stitch Saga, oui, le donne. Donc, si, même si vous devez broder des perles, vous aurez également pour les perles des points de nœuds, pareil. Pattern Keeper ne les donne pas, mais vous les avez sur Cross Stitch Saga. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, tous les créateurs ne font pas des grilles en compatible Saga. Mais on peut des fois essayer de demander au créateur s'il peut le sortir en saga ou pas. Voilà. Mais du coup, ça c'est super parce que bah, du coup, je pourrais faire les... bien voir les points arrière et tout, pas retourner sur le patron. Voilà. Non. Voilà. Donc voilà, bah, première avancée. Et je suis contente. Alors, on va essayer de ne pas coincer ces fils, hein, comme la dernière fois. Alors, dans les petites pochettes, je vous ai déjà tout montré. Je vous dis, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait quand même... deux broderies terminées, donc c'est pas mal. Voilà. Alors, je vous ai montré le Fox, oui, je vous ai montré le Lily Point et le Star Dragon. Le voilà. Hop. Ensuite, je vous montre les grandes. Excusez-moi, je bois un petit coup, j'ai soif. Alors. Je vous montre celui-ci. C'est un duo que je fais avec Sonia de la chaîne Diamant Rose. Donc, c'est le sampler 124. Voilà. Donc, voilà ce qu'on est en train de travailler en ce moment. Donc, on fait 300 croix par semaine. Là, on fait 300 croix par semaine. Pas une de plus, pas une de moins. Moi, je le fais en 3 couleurs. Donc, j'ai du jaune, du bleu marine et du turquoise. On brode en fil étoile. Donc, le jaune, c'est 725. Le turquoise c'est le 995 et le bleu marine c'est le 823. Je vous mets à côté
la broderie de Sonia qui, elle, le brode en gris, un gris pâle. Voilà, elle est sur une toile étamine 12.6 fils couleur rubis. Et moi, je suis sur une toile étamine 12.6 fils bleu canard. Voilà, et donc on fait en fil étoile DMC toutes les deux. Alors, on n'est pas sûr d'avoir encore 300 croix la semaine prochaine. Donc, alors, je voulais que la feuille s'imprime, mais ça s'imprime pas, ça clignote. Je ne sais pas pourquoi. Bon, tant pis. On fera sur la tablette. Je vais quand même tirer au sort aujourd'hui notre prochaine étape. Parce que je vous dis, je ne suis pas sûre qu'il reste 300 croix à faire sur cette étape-là. Et donc, on va retirer. Alors, attendez, je vais d'abord retirer les deux étapes qui sont là. Donc, c'était quel numéro celle-là? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. Ah ben non, il n'y avait pas de numéro à celle-là, la première. Donc là, c'est l'étape 10 qu'on est en train de faire. Donc, je vais la retirer de la roue. Parce que je ne voudrais pas qu'elle ressorte. Hein. Voilà. Hop, supprimer. Sauvegarder. Oh. Allez. Oh, je sais pas ce qu'elle a. Voilà. Alors. On va tirer au sort et je vérifie, je retournerai sur la tablette vérifier si le numéro est accessible. Alors là, il me propose le 8. Je vérifie tout de suite si c'est accessible. Ouais, Sonia, ça va être un costaud. Alors, on est ici, on est en train de faire la 10 et là, donc j'ai tiré au sort la 8. Donc ce sera celle-ci, voilà, juste au-dessus de la 10. Ah ouais, elle va être costaud celle-là. Donc, Sonia, maintenant, c'est la 8 et j'ai une abonnée qui s'est mise à le faire également et qui veut faire comme nous. Donc, je vais le marquer, c'est le numéro 8 aussi pour toi. Alors, je le note. Case 8 pour le sampler. Voilà. Donc, je peux retirer le 8 maintenant. On n'en a plus besoin. Ah, les pubs. Les pubs Temu. Oh là là, c'est une calamité ce truc. Voilà. Donc, le 8. Supprimer. Voilà, c'est bon. Alors, dans ce sac-là, c'est tout. Donc, je vais la remettre dedans.
Hop. Et maintenant, que vais-je faire? Ici, mes ponts royaux de Old Forest. Donc, c'est un modèle payant sur Old Forest. Voilà. Alors, j'ai regardé le prix l'autre jour. Il est dans les 10 euros en PDF. Voilà. Donc, j'ai fait ici. Alors, j'ai terminé là. Il n'était pas fini. Et j'ai commencé la fleur ici. Voilà. Alors, je vous avais dit que je ne savais pas si la fleur, j'allais la faire... puisque j'utilise le coton mouliné 550 et le DMC fil étoile 550 également pour cette broderie. Et je ne savais pas si j'allais faire la fleur en fil étoile ou pas. En elle-même, le haut de la fleur ici, il reste en mouliné 550. Et après, il y a des feuilles. Les feuilles seront faites en fil étoile. Voilà. Après, il y a ici une frise qui vient là. Un genre de frise. Je verrai si je la fais en fil étoile ou en mouliné. Mais bon, pour l'instant, je travaille sur la feuille. Et comme je fais toujours en miroir... puisque c'est la même chose des deux côtés, quand la fleur sera terminée ici, je reviendrai de ce côté-là pour refaire le même motif ici. Normalement, c'est le même. J'ai un doute, je vérifie. hop. Le PDF, voilà. Non, c'est pas là que je dois regarder parce que là j'ai pas l'image. Oh, j'ai tellement de dossiers partout, même sur ma tablette. Pouh. Alors, broderie Old Forest ici, voilà. Alors. Allez, agrandis-toi. Voilà. Ouais, c'est bien au miroir pour tout. Donc, vous voyez, moi, je suis là. Je suis en train de faire cette fleur-là. Donc, je pense que les feuilles-là, je vais les faire en fil étoile. Je pense. Je ne suis pas sûre. Parce que, vous voyez, il y a une frise là. Et là, cette frise-là, je me la ferai bien en fil étoile. Je pense que la fleur, je vais la faire tout en coton mouliné. Et je ferai toute la grosse frise en fil étoile, je pense. Ouais, parce que comme ça, vous voyez, cette frise-là, je l'ai faite des deux côtés. Elle est en fil étoile. Donc, la grosse frise qui est là, ici et ici, je vais la faire en fil étoile. Et la grande frise qui est ici en bas, je la ferai également en fil étoile et celle qui est tout en haut. Voilà. Et après, peut-être qu'il y aura quelques petites touches par-ci, par-là, en fil étoile, mais je ne sais pas encore. Je verrai. Ouais, je vais faire comme ça. Donc là, je suis sur le milieu, vous voyez. Donc, je suis en train de faire le milieu, là. De la broderie. Les pans royaux, aujourd'hui, j'ai fait pile 250 croix. Voilà.
J'en ai déjà brodé 7419 et je suis à 23,12%. J'arrive bientôt au quart de la broderie. Donc voilà. Celle-là, je ne sais même pas combien elle a de croix en tout. Attendez. Ben, si, je le sais, je suis bête. Normalement, je l'ai. Normalement, je dois l'avoir. Oui. En tout, il y a 32 889 croix à faire sur celle-là. Donc là, j'ai encore du taf dessus. Mais c'est pareil, si je peux augmenter le nombre de croix par semaine, je le ferai. Voilà. Donc, les pans royaux, c'est du... celle-là, je vous l'ai montré aussi. Le sampler, je vous l'ai montré. Ah ben, il ne me reste plus qu'une à vous montrer. Ça, je vous l'ai montré. Ma steampunk. Hop. Ma steampunk. Alors, ma steampunk, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Bon, on voit pas encore grand chose, hein, mais la rose est en train de se terminer. Vous voyez, on la voit bien. Elle est en train de se terminer. Alors, j'ai un petit décalage sur un petit motif là, mais j'ai laissé. Ça se verra pas. La feuille, on la voit bien. Et là, c'est le premier rouage qu'il y a sur son chapeau. Et le chapeau est ici. Le début du chapeau. Voilà. Alors, j'essaye de bien vous mettre... Oh, la rose, on la voit bien, là, comme ça. Ouais. Alors, ma steampunk... j'ai fait 306 croix dessus. En tout, j'ai déjà brodé 4000, enfin déjà, bon, je dirais plutôt seulement, brodé 4535 croix et j'en suis qu'à 3,77%. Voilà, c'est pas énorme, énorme. Donc, niveau... Au niveau des ouvrages, je vous ai tout montré. Par contre, je vais faire en vitesse avec vous. J'ai deux poilus qui se lèvent de leur panier. Vous avez compris? Pipi? Ah ben oui, pipi. C'est l'heure du pipi. Allez, on se fait la pause pipi. À tout de suite. Me revoilà. Alors, je vais vous dire. Pendant qu'il faisait le pipi, j'ai fait la gourmande. parce que j'ai fait une tarte tatin aujourd'hui. Il y avait la tarte tatin qui me disait, je passais devant elle. Elle me dit, mange-moi, mange-moi. Donc, j'ai mangé un petit bout. Allez, j'arrête de dire des bêtises et je vous disais, donc je vais faire une nouvelle roue et je vous explique pourquoi. Alors, une nouvelle roue. Hop. Bon, la couleur, on s'en fout. Hein. Alors, voilà. Je vous explique ce que je vais faire.
Je vais me faire une roue spéciale HAED. Bon, ma steampunk rentrera dedans. Hein. Parce que j'ai décidé. Voilà. Donc, vous savez que, bon, le dimanche, c'est plus consacré à l'estomper. Malheureusement. Mais il faut bien que je les termine un jour. C'est plus. Le dimanche, c'est plus. Voilà. La tête. On ne se prend pas la tête. Donc, quand on ne se prend pas la tête, c'est de l'estomper. Plus le tricot ou le crochet. Voilà. Le lundi, ben, c'est ma broderie du lundi. Donc, on la choisira tout à l'heure. Savoir ce que je vais faire. Mais j'ai déjà ma petite idée. Je pense que vous aussi, vous devinez laquelle je vais mettre. Et j'ai décidé, le mercredi, ce sera consacré aux achats ED. Donc le mercredi, jour des enfants, je ne ferai que de. Enfin, je ferai un seul. Je travaillerai sur un achat ED. Voilà. Parce que bah, mes achats ED n'avancent pas beaucoup. C'est des très grands ouvrages avec des milliers de croix à broder. Donc, il faut que ça avance. Hein, si ça pouvait avancer avant que j'aie 100 ans, ce serait bien. Je crois qu'à 100, si j'ai vécu jusqu'à 100 ans, je crois qu'à cet âge-là, je ne broderai plus. Hein, mais bon. Non, on ne sait jamais. Hein. Croisez les doigts. Donc, j'ai décidé que le mercredi, ce sera le jour du HAED. Voilà. Alors, pourquoi pas, vous aussi, si vous faites des HAED, ben, vous ne feriez pas comme moi. Le mercredi, vous faites votre HAED. Si vous avez envie de faire comme moi, ben, bon, vous êtes libre, hein, vous faites. C'est pas des duos, des trios, des voilà, c'est même pas un challenge, voilà, c'est juste se trouver une journée sur la semaine pour pouvoir broder ces grands ouvrages et du coup ne travailler que là-dessus ce jour-là. Peut-être que vous faites déjà comme ça, hein, peut-être que vous avez déjà une journée ou deux où vous faites que de l'achat ED. Voilà. Mais si vous avez envie de faire comme moi, dites-le-moi. Donc moi, le mercredi, ben, ce sera HAED maintenant. Voilà. Donc je vais me faire une roue pour comment? Pour choisir l'HAED que je ferai chaque semaine. Voilà, allez. Alors, j'ai la japonaise. Voilà. Donc, OK. Ensuite, j'ai le paysage. Je mets les couleurs en même temps. Voilà, paysage. OK. J'ai ma steampunk. Malgré, je vous dis que la steampunk, ce n'est pas un HAED, mais c'est tout comme. Donc, je la considère comme un HAED. Qu'est-ce que je voulais mettre? Non, c'est pas ça que je veux faire. Qu'est-ce qui me fait? Ouh! Alors, attendez.
Hop. Ah, voilà, j'y suis. Alors, ma steampunk, elle est bleue. Donc, on va mettre du bleu. Donc, steampunk. Voilà. Oula, non, ouh, on voit pas clair. Voilà, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Bleu sur bleu, on voyait pas grand-chose. Et je vais ajouter déjà le hibou du savoir, malgré que on commencera que le 1er novembre. Alors moi, je mets des mots en français, hein. Ils ont tous des noms en anglais, mais je préfère mettre en français, c'est mieux, j'aime bien. Alors, le hibou, on va le mettre rose. Hop, voilà. Donc, comme ça, j'en ai quatre. Petite information, comme ça, juste en passant, parlant d'achat ED. Sur le site HAED, en ce moment, toutes les grilles, toutes les broderies sont à 50%. Je dis ça, je dis rien. Hein? Bon, moi, je ne craque plus. Non, les HAED, c'est bon, là, j'ai ce qu'il me faut. Je n'en prendrai pas d'autres. Mais voilà, je vous le dis comme ça, bah, si vous avez envie de... Excusez-moi, hein, c'est parce que je règle les trucs en même temps. Si vous avez envie de craquer sur le site d'HAED, pourquoi pas? Allez, HAED du mercredi. Voilà. Bon, j'ai tout bien réglé. De toute façon, il n'y en a que 4, donc ça va vite, hein. Hop, sauvegarder, c'est fait. Oh, la pub Temu. Oh, j'en ai marre. Allez, va-t'en. Voilà. Donc, on va tirer au sort. Ben, l'achat ED du mercredi. Voilà. Et comme ça, je vais le marquer dans mon carnet. Alors, mercredi, c'est quand? C'est là. Hop. Donc, vous voyez, elle est toute petite, ma roue achat ED. Mais, voilà. Alors. Ah bah, steampunk. C'est la roue qui a décidé, hein. Je ferai la steampunk. Alors, ma steampunk. Vous avez vu les bons stylos? Supermarché, ils vendent pour Octobre Rose. Donc moi j'ai pris le stylo. Sinon il y avait la serviette de sport. Serviette de sport, je ne fais pas de sport. Puis il y avait des autres trucs, mais bon. J'achète toujours au moins un truc. Donc voilà, j'ai pris le petit stylo. Au moins il me sert. Allez, on va continuer à tirer au sort. Là, du coup, je vais enlever mes achats ED de la roue générale. Alors. Ah, celui-là, je l'enlève. Hop, voilà. Je n'ai pas besoin de les avoir deux fois, hein.
celle-là aussi. Voilà. Par contre, est-ce que j'ai mis les nouveaux? Le Star Dragon, ouais, le cœur aquarelle, ok. Donc, voilà. Ouais, c'est bon. Sauvegarder. C'est bon. Alors, on va se calmer un petit peu au niveau du tirage des broderies. Alors, il y a 7 jours. Bon, le mercredi, du coup, j'en ai déjà eu. Mais on va en tirer. Alors, combien j'en avais tiré là? J'avais tiré beaucoup là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, j'en avais tiré 17. J'étais folle. J'étais folle. Ouais, 17, non, non, mais je ne sais pas pourquoi j'en ai tiré 17. Alors, le dimanche, c'est estampé. Donc, hop, c'est bon. Dimanche, c'est estampé. Et le mercredi, c'est HAED. Donc, il me reste 5 jours. 5 jours. Bah, écoutez, on va en tirer 10. En sachant que je, ah oui, il y a la broderie du lundi, donc non, je vous embête. Hein. Alors, pas de dimanche, pas de lundi, pas le mercredi. Oui, je compte sur mes doigts. Donc, il reste 4 jours, donc je tire 8 broderies. Non, 9. Quel lundi, ça devient compliqué mon truc. Donc je vais tirer 9 broderies et j'ai encore la pub Temu. Oh, j'en peux plus de ce truc. Voilà, allez, c'est parti mon kiki. Et au mois de novembre, il y en a une nouvelle qui se rajoute. Et ici en octobre aussi. Je vais... Alors, Autumn Quaker. Oui, ici. Hop, Autumn Quaker. Oui, en octobre. Donc, normalement, on fait ça à partir du 20 octobre. Il y a le sal de poussière d'étoiles que j'organise avec la box de l'automne, voilà, et celles qui n'ont pas commandé la box, vous pourrez commander la grille le 20 octobre directement, vous pourrez avoir le PDF, donc il y aura ce sal, voilà, et en novembre, à partir du 12 novembre, il y aura le sal sampler anniversaire, j'ai appelé ça, puisque c'est, on va faire un sampler, mais on le commence le jour de mon anniversaire, voilà, donc le 12 novembre. Donc ça fait un deuxième sale qui arrive. Puis bon, je vous parle pas maintenant de janvier, parce qu'il va quand y en avoir. De toute façon, je vous ferai une vidéo. Pour vous parler de l'actualité du groupe et l'actualité future, tous les événements qu'il va y avoir en salle, en cale, voilà. Donc je vais vous faire une vidéo pour expliquer tout ça, ce sera beaucoup mieux. Allez, deuxième. Alice. Ah mais, si, si, je vous l'ai montré Alice tout à l'heure. J'ai l'impression d'avoir les miettes de tarte.
Ah bah non. Ah bah oui, si, c'est bien. Le Bouddha. Voilà. Ah bah, celui-là est d'office. Donc le sampler 124. C'est vrai que j'aurais. Il y a le Lily Point, le sampler. Donc j'avais dit 10. Bah, je marque déjà le Lily Point. Peut-être que je vais le tirer au sort, mais c'est pas grave. Parce que le sampler Lily Point, c'est d'office, de toute façon. Le hibou, à chaque fois il sort, mais j'ai jamais eu le temps de le faire. Le hibou. Grenouille. Ma petite grenouille de poussière d'étoile. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai dit que j'en tirais combien? Vous vous en rappelez? 9. Donc encore 2. Le nouvel an. Depuis la semaine dernière, la roue veut que je rattrape mes retards. Hein. Vous avez remarqué? Allez, un petit dernier pour la route. Ah bah, qu'est-ce que je disais? Le colibri. Ça va être la semaine poussière d'étoiles. 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, je ne sais plus compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon. Voilà, j'ai mes 9. Je remets ma roue à jour. Voilà. Alors, je vous récapépète depuis le début. la roue m'a choisi. Donc, l'automne Quaker, Alice au pays des merveilles, le Bouddha de poussière d'étoiles, le sampler 124, mon Lily Point. Bon, ça, je l'ai remis d'office. Le hibou, ma grenouille de poussière d'étoiles, le sale du nouvel an et le colibri de poussière d'étoiles. Ça va être du poussière d'étoiles cette semaine, tant mieux. Alors, on a dit pour le HAED de mercredi, ce sera la steampunk. Et du coup, ben, celle que je voulais faire, elle n'est pas sortie. Alors, j'hésite entre le Bouddha, la grenouille et le colibri. Alors, celui qui est le plus près de la fin, c'est la grenouille. Donc, la broderie du lundi, ce sera la grenouille. Voilà. C'est bon. Mon challenge, vous savez que je fais un challenge toutes les semaines pour moi perso. Je me prévois de faire au moins 3000 croix par semaine. Et donc cette semaine, petite semaine, je vous l'avais dit, hein, j'ai fait 3435 croix. Petite semaine, mais bon. Pas toujours avoir des semaines très très hautes hein, non plus, mais ça va. J'ai fait mes 3000 croix
et un peu plus. Donc, c'est très bien. Donc, j'ai remarqué mon challenge pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que... Oh non. Non. Et je vais vous mettre des couches, hein. Ça existe, les couches pour chiens? Bon, parce que de toute façon, vous voyez, il pleure. Donc, à tout de suite. Alors, en fin de compte, j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire. J'ai commencé à remplir mon cahier de suivi de point de croix que j'ai acheté. C'est Mélanie de la chaîne... excuse-moi Mélanie, j'ai perdu le nom de ta chaîne. Diamant Folie, voilà, excusez-moi. C'est surtout elle, excuse-moi. J'ai commencé, c'est elle qui l'a écrit, fait, tout. Donc, il est en vente sur Amazon. Mais, alors, les Françaises, je vais parler au nom de Mélanie. Amazon n'a pas encore remis un stock pour nous, les Françaises. Donc, vous inquiétez pas, dès qu'il y en a en stock, ben, je vous préviens. Je préviendrai sur mon groupe et je vous ferai un petit message dans la communauté, sur la chaîne, dès que c'est dispo. Mais là, elle est en train de se batailler avec Amazon pour qu'ils remettent un stock pour la France. Voilà. Les autres pays, je ne sais pas, la Belgique, tout ça, là par contre je ne peux pas vous dire, mais pour les Françaises, bah, il faut encore attendre un petit peu. Donc moi j'ai eu de la chance, je l'ai pris vraiment le premier jour, et je pense que tout le stock qui a été pris à ce moment-là, et du coup, bah, il n'y en avait plus. Alors, j'ai commencé à le remplir. J'ai pas commencé à remplir le début. Début, je le ferai. Je sais pas quand, mais je le ferai. Mais j'ai commencé à remplir mes fiches de projet. Voilà. Donc, ça, c'est le Sampler 124. Alors, vous voyez, je décore un petit peu en plus, en même temps, les pages. C'est plus joli. Donc, j'ai mis le Sampler 124. Le Star Dragon. Voilà, d'ailleurs il faudra que je mette la date de début du coup, voilà, j'ai mis, alors elles ne sont pas encore toutes dedans, hein. J'ai déjà préparé pour le hibou du savoir, le HAED, par contre là j'avais mis une date, il faudra que je change, bon, c'est pas grave, et j'ai mis une que je commencerai bientôt, c'est le cœur aquarelle. Voilà. Donc à chaque fois, on met une photo ici et après vous mettez tous les renseignements, le nom du projet, le créateur, la date des premières croix, la date des dernières croix, les informations sur les matériaux, la grandeur du projet. Dire si c'est un projet personnel ou en équipe. Et dans ce cas-là, on dit qui c'est qui le fait avec nous. Voilà. Les impressions, les idées, de mise en valeur. Bon, le reste, je n'ai pas encore rempli. Je vais le faire un petit peu au fur et à mesure. Je vous le montrerai au fur et à mesure. Parce que, bon, ben, y a d'autres choses à remplir. Les nombres de points que l'on fait pour les projets en cours. Après, il y a pour les salles, donc ça je vais le remplir, voilà, donc il y a quand même plusieurs choses, mais j'ai pas encore eu le temps de tout remplir, donc voilà, je vous remontre la couverture, voilà, et je vous dis, pour la France, dès que il y a un nouveau stock, je vous préviens tout de suite, donc dès que je vous préviens par contre qu'il y a un nouveau stock, allez-y, allez-y, voilà. Ensuite, de quoi parle-t-on? Ben alors, avant de parler tricot et crochet, je vais vous dire ce que j'ai regardé cette semaine. Non, si je regarde sur Pinterest, ça ne marche pas.
Alors cette semaine, non, vous avez été bien gâtés. Je vous ai mis une vidéo chaque jour. Bon, il y a des choses que vous avez bien aimées, des choses que vous avez peut-être moins aimées. Mais voilà, il en faut pour tous les goûts, hein. Alors, allez. Ah, quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai regardé cette semaine? Oui. Alors, Manwen, j'ai enfin regardé ton direct, mais en replay. C'était tip top, comme d'hab. Hein. Donc, c'est la chaîne About Manwen. Donc, elle fait des directs, enfin des lives, et elle fait aussi des Flosstube, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Qu'est-ce que j'ai regardé? Alors, attendez, parce que... Non, pas ça. Ça n'a rien à voir. Oui. J'ai regardé. Oh, j'ai oublié son prénom, par contre. Tu m'excuseras. J'ai regardé la chaîne Patatras. Donc, elle est super rigolote. J'adore son humour, son naturel. Elle est vraiment tip top. J'aime vraiment beaucoup. J'ai regardé son Flosstube. Alors, Flosstube, ça a mijoté pendant 3 mois. Donc, Flosstube aux petits oignons. Bon, c'est pas, elle fait pas les broderies comme moi. C'est pas, elle fait pas le même style que moi de broderie. Mais j'aime quand même beaucoup ce qu'elle fait. C'est rigolo, c'est frais, c'est voilà. Elle fait des broderies aussi pour son mari ou compagnon, excuse-moi, je ne sais pas si tu es mariée. Alors, elle est plutôt dans les styles, les petites grenouilles, vous voyez, les petits trucs comme ça. Et les broderies qu'elle fait pour son mari, c'est plus. Comment? Non, ce n'est pas du steampunk, c'est. C'est noir et blanc, c'est voilà. Il y a des châteaux. Là, elle a fait une église. Elle a brodé une église pour bon, je continue à dire mari, hein, c'est voilà, pour son mari. Mais c'est une église en feu. Voilà. Donc sur une toile noire et avec toutes les flammes orange, rouge, jaune. C'était vraiment magnifique. Bon, c'est pas ce que moi je broderais, mais je trouve ça très beau quand même. Voilà. Donc, si vous connaissez pas sa chaîne, donc c'est Patatras avec un petit 2. Mais je vous mettrai les liens en barre d'infos également, comme je fais d'habitude. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé? Non, pas ça. Oh là là. Donc, Malouane, je viens de vous le dire. Petite Croix et compagnie. J'ai regardé donc son Flosstube de septembre. Très sympa. J'aime beaucoup aussi ce qu'elle fait. Alors, malgré que je n'aime pas un peu tout ce qui touche Halloween, tout ça, bah, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle brode en ce moment. Puis c'est pareil, j'aime bien regarder ces vidéos. Bon, alors les filles, je ne vous laisse pas toujours des commentaires, mais parce que je regarde la plupart du temps, je regarde sur ma télé. Voilà, donc c'est pour ça que maintenant j'en parle dans mes vidéos. Donc, c'est Petite Croix et compagnie. J'ai regardé également Petite Croix Fantastique. C'est le nom de la chaîne. Pareil. Alors, je ne sais pas comment elle fait. Elle a plusieurs broderies, mais alors
Manses. Moi, j'appelle ça des nappes. Hein, ouais, des nappes. Pas d'autre mot. C'est des estampées, mais elles sont immenses. Je ne sais plus la plus grande, la taille qu'elle fait. Mais écoute, bon courage à toi pour faire ça. Bon, je suis mal placée pour en parler, pour dire ça, parce que moi, avec mes achats ED, c'est pas mieux. Hein, mais vraiment, j'ai bien aimé sa vidéo. Voilà. Bon, elle a fait pas que ça. Hein, elle a quand même des points de compté, tout ça. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé sa vidéo également. Donc, ça s'appelle Avancée du 16 septembre au 1er octobre 2024. Donc, le Flosstube. Non, ça c'est ma vidéo à moi, donc non. J'ai regardé Les Passions de Mélissa, qui ne parle pas avec un accent québécois. C'est une petite blague. Parce que la dernière fois que j'ai parlé d'elle, j'ai dit qu'elle avait un accent québécois. J'avais mélangé deux chaînes. J'avais mélangé Diamant Folie et puis sa chaîne à elle. Voilà. Et bon, c'est bon, ça y est, tout est remis droit dans ma tête. Alors, pareil, j'aime bien ce qu'elle fait aussi. Elle fait aussi beaucoup de points comptés. Voilà, j'ai l'impression que tu commences à en avoir de plus en plus également. Donc, elle, c'est le podcast septembre 2024 des réalisations terminées et toujours plus de projets. Donc, elle nous montre également des broderies qu'elle a terminées. J'ai regardé également la chaîne de Jennifer du fil et des broderies, papotage broderie. Donc elle nous montre aussi des broderies qu'elle a terminées, dont les ours de Noël, puisqu'elle a fait mon sale. Et puis elle montre ses encours, voilà, comme toujours. Donc, toujours très sympathique également. Ah là, j'ai pas fini de la regarder, par contre. C'est aussi une vidéo de Petite Croix Fantastique, mais je crois que c'était. Alors, elle est où? Elle est où? Oui, j'ai regardé la plus ancienne. Enfin. Celle d'avant, j'ai regardé après, mais c'est pas grave. Donc là, j'avais regardé l'avancée du 1er au 15 septembre 2024. Donc c'était son Flosstube de début septembre. Et j'ai regardé également, mais je n'ai pas fini de la regarder parce que je l'ai regardée ce soir, la vidéo d'Amélie, donc de la chaîne Dazing et Diamant. Son TEC WIP de septembre 2024. Voilà. Mais là, je n'ai pas terminé de la regarder, donc je ne peux pas vous dire tout ce qu'il y a dedans. Mais n'hésitez pas à aller regarder. Je finirai de la regarder demain. Et j'ai prévu, demain, j'ai prévu de regarder. Alors, j'ai mis où? Pou, 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 pou. Je t'ai mis où? Mince, je la retrouve plus. Je ne la retrouve plus. Bon, c'est pas très grave, hein. Vous le saurez dimanche prochain ce que j'ai regardé. Je suis tellement abonnée à deux chaînes. Ouais, je vais regarder demain en faisant le montage. Non, pas en faisant le montage, je ne peux pas. Dis pas de bêtises, Edith. Demain après-midi, je regarderai la vidéo du samedi de Miss Manu au naturel. Je la regarde toutes les semaines. Hein. Et j'ai commencé à voir qu'il y avait d'autres vidéos là que je regarderai également. Voilà. Il y en avait une que j'avais vue. J'ai eu la notification tout à l'heure, mais. Bon, je la retrouve pas, c'est pas très grave. Donc voilà pour mes vidéos YouTube de cette semaine. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez
découvrir ou redécouvrir ces chaînes. Voilà. Donc, niveau broderie, ben, c'est bon. On a tout dit, on a tout fait, on a tout montré. Maintenant, alors je vais juste ranger en vitesse mes sacs de broderie pour avoir de la place. Et je vous montre tricot. Voilà, allez, à tout de suite. Voilà. Alors, niveau tricot, je n'ai tricoté que sur 2 pulls cette semaine. Pas eu le temps d'en faire plus, mais bon, c'est pas très grave. Alors, par contre, vous avez pu voir, ou si vous ne l'avez pas encore vu, retournez un petit peu en arrière, je vous ai fait une vidéo pour le blocage de mon châle. Vous étiez plusieurs à me demander comment on fait pour bloquer et tout ça. Donc, j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment j'avais bloqué mon châle. Donc, maintenant, ça y est, il est fini. Les fils sont rentrés, terminés. Je vous l'avais déjà montré la semaine dernière, hein, mais le voici. Donc, alors Chouchou dit non, un châle, ça se met comme ça. Mais bon, on peut le mettre comme ça, on peut le mettre comme ça, on le met comme on veut. Hein, voilà. Donc, il est terminé. Avant blocage, il faisait 1m40 sur 70 de hauteur au niveau de la pointe. Après blocage, il fait 1m50 sur 80. Il a pris 10 cm dans les deux sens. Donc, c'est très bien, c'est ce que je voulais. Voilà. Ah, bah non, j'ai oublié un fil. De toute façon, dans nos tricots, on oublie toujours un fil. Hein. Donc, bah là, j'en ai oublié un. Ça y est, je rentrerai demain. Donc, voilà, il a pris 10 cm de chaque côté. Et j'aime bien. Voilà. Comme ça, il est un tout petit peu plus grand. Le motif est bien mis, vous voyez. Voilà. Coucou. Ce sera la photo pour la vignette. Donc voilà, je suis contente de mon châle. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre qu'il fasse froid pour pouvoir le mettre. Bon, je n'ai pas que celui-là de châle. Hein. J'en ai d'autres que j'ai fait l'année dernière ou je ne sais plus où, il y a 2 ans. Et puis, bon, d'autres années. J'ai des grosses écharpes, tout ça. Mais voilà. Donc, je suis contente pour le châle. Ça y est, c'est terminé. Alors, vous verrez dans la petite vidéo que j'ai faite pour le blocage, il a un petit peu d'étain dans l'eau. Pas énormément, mais l'eau était un petit peu rouge. Donc, quand je devrais le laver, bon, le châle, ça ne se lave pas toutes les semaines. Hein, mais quand je serai pour le relaver, bah, je le laverai tout seul. Bah, de toute façon, je le laverai à la main. Je le laverai, mais tout seul. On ne sait jamais s'il devait encore déteindre un peu pour pas abîmer les autres pulls ou quoi. Voilà, mais c'est pas grave. De toute façon, il est en coton. Donc, je pense que comme c'est rouge, le rouge, souvent, c'est une couleur quand même qui risque de déteindre toujours un petit peu. Ensuite, alors, j'ai avancé un petit peu mon pull bergère de France, mon pull dufteux. Je suis arrivée presque à la fin de ma pelote là. Alors, voilà ce que j'ai fait. Donc, il y a une dizaine de lignes, hein, 10-12 lignes. Et voilà. Il commence à être bien grand. Alors, les emmanchures, elles sont là. Vous voyez, l'emmanchure est là. Donc, bon, j'ai encore un peu de marge à faire, enfin de lignes. Mais voilà, il est joli.
Bon, il est tout simple, hein, c'est du jersey, hein, c'est une marque de jersey, hein. Mais il est très facile à tricoter avec ce fil. Regardez, on voit un peu ma main à travers. Mais bon, de toute façon, moi, les pulls, je mets toujours des t-shirts en dessous. Donc, s'il n'y a pas de problème, on ne verra rien. donc, celui-là, je vous remontre. Je le fais avec la laine flocon, voilà, de chez Bergère de France. Et la couleur, c'est hussard. Voilà. Elle est toute douce. Et puis, elle est bien duveteuse, vous voyez? Regardez. Il y a des poils. Donc, voilà. Bon, j'arrive... enfin... J'ai encore un morceau comme ça, je pense, pour arriver aux épaules. Et puis au col, bien sûr. Hop. J'aurais bien qu'il y en ait qui se termine. Bon, celui-là, c'est le dos, hein. Donc, il ne va pas se terminer tout de suite. Il faudrait que je termine l'autre pull, l'autre fil d'art, le pull armel. Parce que là, il me reste, je suis en train de terminer le dos. Après, j'aurai plus que les petites manches à faire. Mais du coup, il ne va plus être trop de saison. Mais bon, c'est pas très, très grave. Avec un gilet. Et j'ai travaillé sur les manches. Oh là là, quand on tricote avec plusieurs pelotes, voilà. Voilà mes manches. Donc, oui, je tricote les deux en même temps. Comme ça, je mes diminu... Là, c'est des augmentations. Mes augmentations sont toutes au même endroit. Voilà. Alors, j'ai bien avancé dessus. Ben voilà, hop, vous voyez, j'ai fait tout ça sur deux manches. Du coup, j'ai fait tout ça. Il y a, je sais pas combien de lignes, j'ai pas compté. Alors, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 21, 22. 22 ou 23 lignes. Donc, ça va. J'ai bien avancé. Et là, ça va. Ça va vite à faire. Malgré qu'il y a les deux manches, on avance vite quand même, là. Voilà. Donc, dès que les manches seront finies, le pull, il n'y aura plus qu'à le coudre. Il sera terminé. Voilà, à l'assembler. Donc, voilà. Celui-là, il va être bien chaud. Il est bien épais, je crois qu'il sera bien chaud cet hiver. Voilà, bah vous voyez, niveau tricot, ça a été vite. J'ai pas pu faire plus. Bon, c'est déjà pas mal. J'ai pas pu faire plus. Et puis, c'est sur celui-là hier que je me suis endormie. Je vous dis, je me suis réveillée. Oh, tiens, j'ai le tricot dans les mains. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? J'étais complètement à l'ouest, mais voilà. Il est quelle heure? Ah oui, 23h15. Bon, on est presque à 2h, presque. Avez vu? Je vous le dis, elle le sent quand j'arrête, quand je vais finir la vidéo. Ma fifi, fifi, mon bébé, bébé d'amour, fifi, y a maman. Oh ouais. Ouais, je le sens quand je termine la vidéo, quand je la commence et quand je la finis. Hein? Bisous, bisous, et bisous, bisous. Oh, j'ai pas de bisous. Oh, ouais, mais j'ai un câlin, c'est bien. Donc voilà. Pareil, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir dans mes vidéos shorts. Vous verrez comment je suis pour tricoter avec mes mères.
C'est pratique. C'est vachement pratique. Ah oui. C'est pratique. Oui. T'en fous. Tu vois bien ce qui se passe dehors. Oui. Dans une façon, dans les vidéos. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis cette semaine? Oui, mais attends, attends. T'as une grosse tête. T'as une grosse tête. Attends, maman, elle veut dire. Alors, bouge. La dernière vidéo, je vous ai fait une présentation de deux revues anglaises de broderie qui m'ont été offertes par une abonnée. Je te fais encore plein de gros bisous. Merci encore beaucoup. Je vous ai fait la présentation. Alors là, je n'ai eu aucun commentaire. Ça vous a peut-être pas plu. Bon, vous m'avez mis des pouces, donc présentation revue tricot pour la laine Lana Grossa. Voilà, c'était comme un hors-série, un best-of. Je vous ai fait la vidéo du blocage de mon châle, donc je vous montre comment je fais. Je vous ai fait un Whip Parade 2024 Floss Tube Extra où je vous montre tous mes encours. Voilà. Même ceux qui sont mis de côté. D'ailleurs, dans ceux qui sont mis de côté, je vous dis dans cette vidéo que mon calendrier de l'Avent de l'année dernière, je l'avais complètement mis de côté. Et je vous avais dit, je verrai pour faire une case par mois peut-être pour le finir. Et que de toute façon, mes fils étaient encore préparés. Non? mes fils, il faut que je les reprépare, que je recherche parce qu'ils ne sont plus dans la boîte. J'ai dû m'en servir pour d'autres broderies, certainement. Mais bon, c'est pas grave. Je vous ai fait la vidéo, donc. Vais-je réussir à terminer avec vous mon Caroline Meling? Donc aujourd'hui, vous avez vu que j'ai réussi à le finir. Vous avez un haul également, la maison du canevas et l'univers broderie. La préparation de ma toile pour le Star Dragon d'Old Forest. Et puis, c'est tout. Voilà. C'est déjà pas mal, hein? J'étais très productive cette semaine. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas encore vu les vidéos, ben, n'hésitez pas à les regarder. Et je vous dis, il y a cette fameuse aussi vidéo short avec Fifi. Vous verrez comment je suis pour tricoter. Voilà. Ben, écoutez, je vais finir par vous laisser pour aujourd'hui. Bon, on est presque à 2 h, on est à 1 h 50 et des brouettes, donc ça va. Donc, je vous rappelle que du coup, la semaine prochaine, je fais une broderie. Je ferai ma broderie du lundi et maintenant, donc, je ferai le HAED du mercredi. J'ai toujours mon challenge de 3000 croix. Et les broderies que j'ai tirées au sort. Donc, si jamais vous voulez faire aussi le HAED du mercredi avec moi, ben allez-y, n'hésitez pas. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Et puis, c'est sympa, voilà. Si vous avez une chaîne YouTube, vous le montrez dans votre chaîne YouTube, vous en parlez, puis. Allez, je vous laisse. Je vous fais cette semaine une vidéo pour vous reparler de l'actualité de ma chaîne. Comme ça, s'il y a des salles ou cales que vous voulez faire avec nous, ben, comme ça, vous aurez tous les renseignements dans cette vidéo. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous regardez la vidéo aujourd'hui, dimanche, mais écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite une bonne semaine également. Courage à ceux qui travaillent. Bah, courage aussi à ceux qui ne travaillent pas, hein, parce que bon, ben, y a toujours des choses à faire, même à la maison. Et bah, ça y est, je vous laisse, je vous abandonne.
Alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires, plein de commentaires. J'aime tous les commentaires, mais n'oubliez pas les poupousses. Voilà, les poupousses font connaître la chaîne. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.